cannabis pour financer les retraites aux États-Unis. Ça se passe à Chicago, dans l'Illinois. Ça fait des mois qu'on a ce débat sur place au sujet du cannabis, comme dans d'autres États américains. Eh bien, le prochain gouverneur de l'Illinois a peut-être trouvé le moyen de faire basculer les républicains, qui n'étaient pas très chauds pour légaliser le cannabis. Il leur a dit, vous savez, ça rapporterait près $1 milliard de taxes. Et c'est justement le trou, ce qui nous manque pour financer les retraites. Et donc, l'idée serait de combler ce déficit des caisses de retraite grâce aux taxes du cannabis.